Nous nous trouvons ici dans le cœur de l'église Saint-Pierre à Bastogne, dans le cadre d'une belle restauration qui a été assurée dans les années 1999-2000, ceci à l'invitation de l'administration communale de Bastogne. Et j'ai été choisie pour assurer cette restauration avec les conseils des émissaires de l'école d'Avignon présents ici à Bastogne dans le cadre d'une analyse de la voûte de cette église. La voûte date du XVe siècle, tandis que les peintures murales du cœur de l'église datent du XIXe. Il s'agit de la vie de Saint-Pierre, différents tableaux de la vie de Saint-Pierre. L'école d'Avignon est une école située, comme le dit bien, à Avignon, dans le sud de la France, spécialisée dans la formation d'artistes et dans la formation de restauration, de peinture à la chaux et de divers aspects de la restauration. Et c'est sur les conseils de ses professeurs que j'ai assuré la restauration ici. Les produits ont été achetés à Paris dans une maison spécialisée en produits de restauration pour les plus grandes écoles, pour le Louvre, pour Florence, pour différents sites à restaurer. Il subsistait suffisamment de traces de l'ancienne peinture pour pouvoir réadapter le sujet. J'ai procédé par un premier grand nettoyage qui tenait plus du travail d'une technicienne de surface que d'un travail artistique. Une fois ce nettoyage réalisé, bien sûr, il a fallu me mettre dans la peau du personnage, dans la peau du peintre, parce que quand on restaure, on doit être humble et vraiment se mettre dans la peau de celui qui a réalisé le premier tableau. Et j'ai travaillé dans le sens où tout était commencé, et de façon intelligente, en gardant ce qui était à côté des pièces manquantes et recomposer ce qui manquait. Toutes les teintes de la mer, bien je les ai un peu imaginées, mais en tenant compte de ce qui subsistait du dessin passé. Je n'avais pas de documentation. J'ai dû tenir compte uniquement de ce que je voyais et de ce qui subsistait. J'ai eu la chance d'avoir des visages intacts. Pour moi, ce qui est capital dans un tableau, ce qui reste dans ce qui reste, c'est d'avoir des visages intacts et des mains intactes. Là, dans ce tableau-ci, pas de problème, j'ai eu ce qu'il me fallait. Le reste était du décor, les drapés, ce n'était pas un souci. J'ai refait ce qui manquait, pas de problème. Ici, par contre, il s'agit du reniement de Saint-Pierre. Et ici, il y avait beaucoup plus de dégradation. Je me souviens de la porte entrebâillée, le petit coq, le coq chanta trois fois. Le coq, il lui subsistait, le bec, un peu de la crête et de plume. À part ça, il n'y avait plus rien. Alors, je me suis inspirée du coq wallon pour le reconstituer. Et alors, les visages aussi étaient intacts ici, Les visages, ici, il y avait plus de dégradation, oui, dans plusieurs visages. C'était plus difficile, mais là, bon, des scènes bibliques. Là, j'ai eu besoin de documents de scènes bibliques pour reconstituer. Alors, on a l'impression qu'il y a deux Christ. Qu'est-ce que c'est là Non, ça c'est Saint-Pierre. Là, c'est le Christ qui a été, emmené par les gardes. D'accord. Alors, ce dessin, tu crois, il a été inspiré par quoi, ce dessin? Ben, toute la vie de Saint-Pierre. Il faut savoir que l'église ici est l'église Saint-Pierre de Bastogne. Et c'est pourquoi on a sans doute demandé à un artiste de l'époque qui n'a pas signé de composer la vie de Saint-Pierre en différents tableaux pour illustrer le cœur. Dans ce tableau, il s'agit des remises des clés à Saint-Pierre. Le Christ remet les clés à Saint-Pierre. Les clés de la chrétienté, il était le premier pape. C'est tout à fait symbolique. Sur ce tableau, on voit figurer des apôtres qui étaient des pêcheurs au bord du lac de Tibériade. Saint-Pierre est en prison sous la garde des deux personnages, etc.
extérieur et un ange lui est apparu en prison. En restauration, on ne modifie pas le dessin d'origine. Là, je n'ai rien modifié. Ce tableau était surtout extrêmement sale et finalement peu dégradé. Mais il y a eu des infiltrations d'eau sur le côté là-bas. Là, c'était les parties extérieures droites étaient plutôt dégradées, mais là, je n'ai pas eu à modifier le dessin. Ici, il était extrêmement sale. Les deux du dessus étaient spécialement salis, d'une couche de salissure, de poussière, d'humidité qui avait collé la poussière, également les bougies lors des cérémonies, la fumée et tout ça accumulé pendant des années et des années. Ça te fait une couche de crasse à enlever. C'était surtout beaucoup de nettoyage ici. C'est ici qu'il y avait des impacts de balles de la guerre. Et là, il a fallu réparer la maçonnerie avant de continuer de remettre des enduits superposés plus la couche picturale. C'est le dernier épisode de la vie de Saint-Pierre. Il est mort, crucifié la tête en bas. Une documentation se trouve à l'entrée de l'église. Je vous en livre quelques passages. La voûte fut décorée à l'époque de Charles Quint, qui aurait d'ailleurs visité l'église. Elle comprend une foule de scènes se rapportant à l'Ancien et le Nouveau Testament, à la vie quotidienne des confréries du Moyen-Âge ici à Bastogne, à la vie des nobles et des gens de la campagne. Cette décoration est à restituer dans le contexte de la contre-réforme du XVIe siècle et présente ici une Bible en images. C'est comme une enluminure, une vaste enluminure qui dépeint différentes scènes de la Bible. Les gens à l'époque ne savaient pas lire, pas toujours lire, et c'était indispensable à la compréhension de la Bible. La chaire de vérité est une œuvre de Jean-Georges Scholtus, maître sculpteur à la ville de Bastogne, et date du XVIIIe siècle. Les fonts baptismaux datent du XIIe siècle. La pierre est en calcaire bleu de la Meuse à patines blanches. Le couvercle de la cuve, de même que l'ensemble en fer forgé, est de Pierre Scholtus de Bastogne, datant de 1941. L'autel roman dans le chœur est en pierre de France et peut être daté du XIe siècle. Cependant, il pourrait provenir de l'église primitive du début du VIIIe siècle. En plus, la pierre pourrait avoir été récupérée d'un édifice romain d'Arlon. Les vitraux sont des vitraux neufs qui ont été réalisés après la guerre, vu le dépôt de munitions qui est explosé juste en face et qui a fait claquer tous les vitraux. La mise au tombeau date du XVIe siècle. Elle est en bois peint de couleur blanche et vient sans doute de l'église des Trinitaires, aujourd'hui disparue.